on n'a pas participé au TDR parce que pour nous, cette démarche n'est pas une démarche consensuelle. Et nous pensons aussi que la situation est tellement importante qu'elle ne peut pas être réglée dans des salles de forum. Parce qu'on a fait le DNI, on a fait beaucoup la conférence d'entente. En réalité, le travail aujourd'hui demande un travail de fond. Et d'abord, le deuxième travail, ça demande une confiance. Parce qu'à la place où nous sommes, c'est que les Maliens ont perdu la confiance les uns des autres. Et pour créer cette confiance, il faut un ensemble de discussions. Et nous, pour nous, la CEMA, nous avons suggéré d'abord de trouver d'abord les différents acteurs, en commençant par le CNSP. Nous l'avions demandé, sollicité de faire d'abord une réunion préliminaire pour d'abord créer la confiance entre les parties maliennes. Nous voulons le demander à chacune des parties maliennes, que ce soit l'ex-majorité, que ce soit le M5, que ce soit la société civile, que ce soit les syndicats. Nous avons dit qu'il faut d'abord nécessairement créer une confiance entre les parties maliennes. Il ne sert à rien de venir se donner un spectacle devant la communauté internationale dans des grandes salles, alors que le résultat n'est pas tout à fait probant. Donc pour nous d'abord, il faut prendre l'exemple, parce que nous ne sommes pas les débiteurs. Au Burkina, on a créé d'abord un comité des sages. Un comité des sages dans lequel l'unité nationale se reconstruit. Par exemple, il y a l'imam Diko, il y a le président du Haut Conseil islamique, il y a les deux églises, l'église protestante et catholique. C'est des gens. Il y a par exemple des anciens présidents, il y a des représentativités des populations du Nord. Donc, créer un comité des sages qui peuvent d'abord faire un travail préliminaire entre les Maliens pour d'abord les mettre en confiance et parler le même langage. Donc aujourd'hui, il faut que les Maliens se résistent. Il faut créer un comité des sages qui peut travailler entre les parties maliennes. Et peut-être, quand on va apparaître dans la salle du CICB, c'est pour signer une charte. Nous allons donner une image au Mali qui n'est pas une image de désordre, qui n'est pas image de nous donner en liesse. Et ne pas rentrer dans la logique de la CEDEAO qui, depuis le début, a pensé qu'il s'agit du pouvoir. Pour faire le pouvoir, on peut le faire. Quand on a une nation, on peut faire 1000 ans, on a le pouvoir. Mais il faut d'abord avoir la nation. Donc, quel est le temps nécessaire pour que nous puissions bâtir, poser d'abord les jalons même de la nation? Quand, par exemple, vous parlez des élections, supposons, est-ce que dans le cadre aujourd'hui, on peut faire les élections? Est-ce qu'on peut faire des élections quand la moitié du pays n'est pas sous contrôle de l'État? Est-ce qu'on peut faire des élections quand il n'y a pas de justice? Quand il y a l'impunité? Quand même ceux qui sont appelés à aller aux urnes n'arrivent pas à se sécuriser, ils ne savent pas de quoi est fait demain? Quelle élection voulez-vous qu'on fasse? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, la discussion n'est pas là. Il s'agit de discuter entre Maliens, de trouver une charte et de dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Malien. Donc ce que nous avons besoin, on n'a pas besoin d'un président de la République. On n'a pas besoin d'un chef de choses. On a besoin des techniciens maliens pour lesquels les Maliens les ont donné une mission et nous tous nous mettons autour d'eux pour exécuter cette mission. Donc c'est comme un chantier, une maison qu'on donne à des techniciens pour construire la maison et nous tous nous allons apporter ciment, briques, eau. C'est le jour que la maison est construite que nous allons habiter là-dedans. Mais avant d'abord de construire la maison, il est trop tard de dire que moi je vais prendre la porte, toi tu vas prendre la fenêtre. Nous voulons être présent dans la constitution du Mali. Le Mali, soit on le fait avec nous, en nous reconnaissant là-dedans, soit on ne le fera pas sur nos dos. Voilà un peu, et ça, on l'a depuis le début, nous continuons à l'avoir. Et nous donnons encore la force aux Maliens de nous mettre à l'épreuve. Nous passons toutes les nuits à travailler, à nous concerter avec les acteurs pour qu'ils nous écoutent. Et ça, c'est un travail de fond. Et je suis certain, si la